On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Oh? Chut! Ici, c'est le couloir des grands. Celle que vous voyez là, c'est l'unique, le véritable, la reine des abeilles. On l'appelle Mafo. Vous connaissez la signification de Mafo? C'est elle, la véritable Mafo. Notre nouvelle lionne, notre nouvelle championne, notre nouvelle Francis Ngannou de la culture camerounaise. Celle-là qui est entrée dans le showbiz camerounais par la grande porte, par la porte centrale. Vous vous rappelez quand Ngannou était entré aussi dans la boxe anglaise, par la porte centrale. Oui, voici notre nouvelle Francis Ngannou qu'on appelle Fleur de Lille. Celle-là qui a eu l'audace, qui a eu le courage d'acier. Celle-là qui a rempli une salle de 1200 places. Celle-là qui a réussi à déplacer 1200 personnes à Paris pour la salle où c'est Noisy le sec, où c'est Noisy le sec. Oui, on l'appelle Mafo, la reine. Vous connaissez une reine, non? Une reine. Mais celle-ci, elle est la reine des abeilles. Vous connaissez d'abord les abeilles qui piquent. Mais celle-ci est le reine. L'unique, oui, dame de fer qui a dit à ses abeilles que je vais faire venir Petit Pays. Petit Pays va venir chanter pour vous. Et elle l'a fait. C'est le paracétamol des tchotchoris, des jaloux, des perroquets, des zibous de Facebook. Oui, c'est l'efferagant des gens qui ont le goitre. Oui, des gens qui n'aiment pas voir les autres évoluer. C'est l'efferagant de ces gens-là. Elle a fermé les bouches que ici, là, ne parle que celui qui est roi. Oui, et c'est une reine. Mais respect encore, Mafo. Oui, ça c'est ce qu'on appelle, les amis, l'entrepreneuriat. Il faut oser. C'est ce qu'il faut tirer comme leçon. Il faut oser dans la vie. Qui ne risque rien, n'a rien. Mafo a donné combien à Petit Pays, le monument de la culture, l'un des grands kings, des tenants des titres depuis 90. Petit Pays. Oui, Mafo a dit à ses abeilles que Petit Pays va venir ici chanter, va partir du Cameroun pour Paris chanter pour vous. Elle a débloqué 6000 euros donnés à Petit Pays. Vous connaissez combien ça coûte? 6000 euros. C'est presque 4 millions. Hein? Dans les 9 millions, dans les 3 millions 900 et poussière de 1000. Oui, vous savez qu'on donne comme ça, c'est le cachet de l'artiste. Certainement, on paye l'avion. On paye l'hébergement, les déplacements dans la ville. Mafo a dit que je prends ça sur moi, j'assume et je gère. Et elle a fait. Remplir une salle hein, de 1200 personnes pour la toute première fois. Soirée de l'ambiance. Et il y a eu vraiment de l'ambiance. Avec les Didier à la pointe, avec des invités de classe. Oui, c'est Mafo. Oui. Je profite aussi pour tirer un coup de chapeau à son manager. Parce que c'est aussi la force du manager. Mais le courage de Mafo. Parce qu'il faut oser. Il faut avoir d'abord le courage à la base. Mais les amis, il y a une chose qui m'inquiétait. Dans la vidéo qui se passait, comme je regardais plusieurs vidéos, j'ai suivi une femme dire, en train de faroter Mafo. En disant que ça, c'est l'argent qu'on avait prévu pour Petit Pays. On préfère faroter Mafo parce que Petit Pays nous a déçus. Vous savez, à la veille, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de problèmes. Mafo a fait un direct pour se plaindre qu'elle ne comprend pas comment elle peut donner 600... 6000 euros à Petit Pays. Petit Pays ne poste même pas l'affiche de l'événement. Ça a tellement fait le bruit, Petit Pays a fait un direct. Une petite vidéo pour dire oui, je confirme ma présence et je serai avec ma frangine. Allons encourager ma frangine. Beaucoup ont trouvé ça comme du mépris. Surtout les abeilles.
Parce qu'il faut rappeler que Petit Pays venait chanter pour les abeilles de Flore. Donc, et vous, comme vous connaissez que les Benguis là sont trop capricieux. Ouais, les Benguis sont comme les nouveaux-nés. Moi, j'ai compris les gens là. Il faut seulement un peu baisser l'orgueil avec ces gars-là pour gagner. Moi, j'ai compris. Mais il y a aussi beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils prennent ça un peu comme du mépris. Surtout les grands kings comme les Petits Pays. Je ne sais pas vraiment quel est le message que Petit Pays voulait passer. Ou bien il voulait montrer qu'il est tellement king, qu'il est tellement grand. Il n'a pas posté l'affiche. Et quand il ferme la vidéo, il ne dit pas que c'est la soirée de l'ambiance. Il ne donne pas les détails de la soirée. Je confirme ma présence à la soirée de la Mafo, de Flore de Non. Il dit, je dirais soutenir ma frangine. Bon, moi, je me dis que les abeilles ont vu ça un peu comme du mépris. Et ça ne les a pas intéressés. Et vous avez vu comment Petit Pays a presté. Il n'y avait pas de farotage. Quand Mafo est entré, on a failli inonder, on a failli tuer Mafo avec le farotage. Or, moi je suis sûr que si Petit Pays s'était bien comporté à la base, les anciens là, ou bien même les nouveaux artistes là, oui, prenez ça un peu comme leçon de vie. Oui, vous chantez bien, vous avez du succès, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui, je me rappelle, mon patron m'avait dit un jour, à l'époque quand je travaillais encore, j'étais l'un des meilleurs enseignants en infographie dans son établissement. Mais je me comportais mal. Il m'avait un jour appelé dans son bureau pour me dire, petit, tu peux être le meilleur employé, mais ton comportement m'oblige à te chasser. Oui, parce que tu risques de contaminer même les autres qui ne sont pas bons. Même si tu es le meilleur employé, comporte-toi bien. Même si tu es le meilleur artiste, il faut avoir un comportement digne pour gagner gros. Et si Petit Pays s'était bien comporté, je suis sûr qu'il devait avoir un farotage même de 1 200 euros. De 12 000. Donc le double de ce que Flore de 6 000 là. Le 12 000. Il devait avoir plus que ça. Mais je l'ai vu. C'est vrai, les gens étaient contents de voir Petit Pays. Mais pas comme... Petit Pays! Les gars, Petit Pays m'a fait pleurer, mon frère. La première fois que je pleure même, c'était même pas en live, à la télé. Je vois Petit Pays entrer sur scène. C'était toujours à Paris. Il arrive sur scène dans le cercueil. Je dis merde. Tellement l'émotion. Les gens criaient de joie. Petit Pays. Petit Pays que quand on partait au concert de Petit Pays, les enfants, les gens se déchiraient parce qu'ils voulaient que Petit Pays pose la main sur leur tête. Petit Pays, à un moment donné, était devenu Jésus. Il bénissait les gens au nom de Jésus. Yeah, je te bénis au nom de Jésus. Yeah. Mon frère, qui ne voulait pas la bénédiction, le baptême de Petit Pays à l'époque. Vous connaissez même celui qu'on appelle Petit Pays? Mafo a déplacé Petit Pays, mon frère, du Cameroun pour Paris. Donc la femme là, il faut lui donner le café. Donc les amis, vous voyez donc comment. Bon, ça a créé un peu ce que ça a créé. Les gars n'ont pas farouté Petit Pays. Les gars n'ont pas farouté. Et les Benguis, il y a les farouteurs là. Il y avait les farouteurs là parmi. Je suis sûr que. Et beaucoup, 80%, c'était les abeilles de Flore. Et vous voyez, quand Flo a fait une vidéo pour dire « Petit Pays m'a déçu », ça a blessé les abeilles. Les gars ont dit que « Mais mon frère, c'est vrai que tu es le king, tu es le monument, mais ne rabaisse pas notre star. » Vous comprenez, non, les gars? Donc, même si vous êtes king, comment? Quand vous invitez, quand vous acceptez déjà le cachet de quelqu'un, faites bien votre boulot. Ça, on est dans la vie, quand tu acceptes déjà faire un boulot, fais-le bien. Soit tu refuses, si tu ne veux pas, laisse. Mais si tu acceptes déjà, même si c'est au prix de rien, mais tant que tu as déjà accepté, fais bien. Parce que tu ne connais pas ce qui vient après. Fais bien. Et quand tu fais un boulot bien, ce n'est même pas forcément pour la personne qui est venue pour voir, qui est venue te voir pour son boulot. C'est pour les autres qui t'admirent. Bon, les gens comme les Petits Pays vont dire qu'ils ont déjà fait leur temps, ils s'en foutent. Ils n'ont plus rien à gagner, rien à perdre. Mais je crois que même le dernier jour de photo, Victor Marie, qu'il était multimilliardaire, il demandait tous les comptes. Donc l'argent ne suffit jamais. C'était le général Franco, les amis. Merci de partager la vidéo. Et quant à Mama Mafo, la reine des abeilles, hein, l'unique femme qui construit et qui demande à ses abeilles de cotiser pour construire sa maison. Je te respecte, maman. Non, tu es entré par la grande porte dans le couloir du showbiz camerounais. C'est pas donné. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Cette fois-ci, maman, c'est bon. Remplir une salle, les Benguis de 1200 personnes, déplacer des gens de part et d'autre. 1200 personnes dans une salle.
avec tous les risques qu'on connaît, machin, les gens ont peur du poison, les gens ont peur de ceci, les gens disent que non, nous n'avons pas soutenu notre reine. Ce n'est pas donné. Maman, chapeau encore, hein. Beaucoup de courage et bon vent pour la suite. Parce que tu as dit que c'est chaque année. C'est top. Super. Bon exemple à suivre. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.